Bonjour, salut à tous, c'est Benoît. J'espère aujourd'hui que vous êtes forts et motivés parce que je vous parle d'un truc qui a été horrible pendant une après-midi, une petite après-midi d'expérience avec un ami à moi qui est également investisseur. Je vous parle de ça tout de suite dans la vidéo. Donc ici, j'ai été, une après-midi, c'était pas prévu, j'ai un de mes amis qui est également investisseur immobilier qui m'appelle, qui me dit: écoute Benoît, j'ai prévu d'aller travailler dans un de mes appartements parce que j'ai un de mes locataires qui ne paye plus, qui a encore tout son bazar qui est dedans et qu'il faut nettoyer, etc. Moi, j'ai vraiment besoin de bouger donc tout ce qui se trouve dans l'appartement pour pouvoir le libérer, pour pouvoir le relouer. Et donc évidemment, tout était sale, c'était pas un appartement vraiment voilà, très très clean. Pour dire, c'était vraiment presque dégueu. Et en plus, il faisait vraiment caniculaire. Il faisait 31 degrés dehors quand on a fait ça, donc on mourait vraiment de chaud. Ah oui, l'appartement était au deuxième étage et il fallait tout descendre au rez-de-chaussée. Bon, tout ça pour dire qu'on n'a pas passé vraiment un moment très agréable pendant quelques heures. Figurez-vous qu'après y avoir réfléchi, je voulais faire une vidéo sur ce sujet-là, c'est-à-dire que bon, voilà, il gagne de l'argent avec son investissement. C'était un bon investissement, en tout cas sur le papier. Sur papier, c'est très rentable, ça lui ramène pas mal d'argent tous les mois. Mais quand on y pense, en fait, son immeuble n'était pas un immeuble de finition extraordinaire, ce qui lui a permis de pouvoir l'avoir à un prix vraiment attractif, entre autres. Il y avait d'autres raisons. Mais dedans, il avait des locataires qu'il a eu avec l'appartement qui n'étaient pas génial. Et évidemment, si on ne refait pas les appartements qui restent en état, donc c'est-à-dire pas un état vraiment super nickel, les locataires qu'on retrouve ne sont pas non plus extraordinaires. Ce ne sont pas des locataires qui prennent soin de manière vraiment, vraiment nickel de l'appartement et qui n'ont pas non plus des moyens financiers extraordinaires pour pouvoir donc louer le bien. Donc, ce n'est pas spécialement facile de payer. On se retrouve dans des situations dans lesquelles, voilà, des fois on a des baux, on n'a pas de baux. Des fois, les gens partent sans prévenir, ils n'ont plus d'argent, ils peinent plus, ils laissent leurs affaires dans l'appartement. Et on a passé donc pas mal de temps à devoir nettoyer. Et évidemment, ce temps-là n'est pas payé, enfin, à part payer pour lui, pour le bénéfice qu'il en a sur ses loyers. Mais je veux dire, quelque part, voilà, je ne vais pas dire combien il gagne spécialement avec son appartement, mais bon, plusieurs centaines d'euros par mois en cash flow net positif. Et là, on a passé une après-midi dans la crasse à devoir aller travailler en sueur, pas spécialement payé, pour pouvoir donc retirer les crasses. Et il va peut-être même devoir encore payer pour pouvoir les jeter. Donc, quelque part, est-ce que ça vaut la peine de gagner quelques centaines d'euros et de voir tous les X temps avoir des tracas, devoir aller travailler dans la crasse, etc. Sur fin d'investissement, ce n'est pas pour pouvoir faire ça. Et donc, il faut essayer de trouver des investissements pour pouvoir et de gérer ces investissements pour pouvoir éviter d'avoir ce genre de problème-là. Alors, ce problème-là, en fait, tout le monde pourrait l'avoir si on cherche des biens avec une qualité vraiment médiocre, qu'on cherche la rentabilité sur papier. Donc, souvent, c'est la rentabilité sur papier sur les biens qui sont dans un état donc pas génial et dans lesquels on a déjà des locataires qui payent et on a vraiment un cash flow net vraiment intéressant et une bonne rentabilité. Mais souvent, en fait, les locataires sont des locataires défavorisés qui ne prennent pas spécialement très soin du bien et le bien est dans un état dans lequel on sait que, voilà, dans une période assez courte, on risque d'avoir des problèmes, un robinet, un bois à l'air, enfin n'importe quoi qui risque de lâcher. Et donc, ça va être un bien à problème et à tracas psychologique, même si en théorie, ça nous rapporte pas mal d'argent. Moi, je pense que c'est préférable de avoir une rentabilité peut-être moins élevée, mais d'avoir vraiment un bien semi-passif. Je dis toujours semi-passif parce qu'il faut quand même faire un peu de gestion, etc. Mais avec moins de tracas et surtout avoir la possibilité d'avoir un bien avec une finition suffisante pour pouvoir obtenir des locataires qui prendront soin un minimum de l'appartement, qui s'y sentiront bien et qui auront la capacité de payer
un peu plus aisément en tout cas le loyer. Comme ça, on ne devra pas donc changer tous les temps de locataire. Ils auront envie de rester, le locataire sera dans le meilleur état quand ils partiront et tout le monde sera content. Et au final, on gagne peut-être même plus d'argent que si on achète un bien qui est dans un état un peu moins bon, parce qu'évidemment, il faut qu'on réinjecte de l'argent et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un bien dans un moins bon état. Voilà, donc ça c'est un petit retour d'expérience de mon quotidien. Si vous avez également eu ce genre d'expérience, je vous invite à commenter la vidéo et un petit peu expliquer les déboires que vous avez eus avec locataire ou vos différents donc, immeubles. Et je vous invite donc également, si vous voulez donc être inscrit à ma mailing list et recevoir donc un peu plus fréquemment des news de mes vidéos et de mes contenus, de télécharger le guide Une vie sans patron, c'est possible. Et on se retrouvera de l'autre côté. Merci, à très bientôt. Soyez forts. Ciao.